Et Wazalendo se rapproche victorieusement de Bounagana. Des violents combats opposent le M23 aux groupes armés locaux le dimanche dans le territoire de Rutshuru. Marcelin Senkoukou, porte-parole de groupes armés locaux qui se battent contre la coalition RDF-M23, a confirmé que les patriotes Wazalendo contrôlent une grande partie de Bouiza avec comme objectif d'aller les déloger de la cité de Bounagana. Les pétroliers distributeurs de carburant menacent de décréter un rationnement de carburant à la pompe. À la base, il y a ce problème de manque à gagner. Les pétroliers ne croient pas à la bonne foi du gouvernement qui les embarque dans des promesses qu'ils ne réalisent pas. Pour éviter l'arrêt total de toute activité dans le secteur, nous demandons avec insistance qu'un paiement, même partiel, de cette importante dette intervienne immédiatement pour revivifier la trésorerie des sociétés pétrolières, exige leur syndicat. Un sondage Le Grand Œil, Fatshi toujours en pole position, réalisé le 11 septembre 2023 auprès de 15 100 électeurs inscrits. Félix Tshisekedi recueillerait 74% des intentions de vote, soit un écart de 64% avec son principal rival, Moïse Katumbi, crédité de 10%. Martin Fayulu en troisième position avec 8% des voix, suivies loin derrière par Matata Ponyo qui obtiendrait 0,8%. L'Ouganda supprime les droits d'octroi de visa d'entrée sous son territoire pour tout Congolais au Conseil des ministres. Le ministre du Numérique a également présenté deux notes d'information. L'acquisition de la plateforme gouvernementale de gestion intégrée de visa électronique pour la RDC, e-visa, e-tourisme, l'état d'avancement du projet intranet du gouvernement. Les divers fonds provenant des sources officielles et les dotations des partenaires à différentes circonstances sont utilisés comme des frais personnels. Ce sont les accusations portées contre Dodo Okamba par les membres fondateurs et personnalités des mouvements charismatiques du réveil. Ces accusations ont conduit à la déchéance de l'évêque général Dodo Israël Kamba de son poste de représentant légal de la plateforme Église de Réveil du Congo. Autre nouvelle, le gouvernement note l'approbation de l'opinion nationale sur les bravoures des résistants patriotes Wazalendo contre les RDF. M23. La refondation du Congo, projet de société du candidat président de la République, Délice Sanga, chiffré à hauteur de 110 milliards de dollars américains. Le bilan du naufrage de la baleinière de Bandaka, 30 corps repêchés, 167 disparus, 189 rescapés, annonce faite le dimanche 15 octobre par le ministre provincial de la Santé, Action humanitaire et solidarité de la province de l'Équateur. Présidentielle 2023, les jokers, c'est Moïse Katumbi en cas d'élection transparente, selon l'ancien candidat à la présidentielle Daniel Tshekomba. Assemblée provinciale pour finir, les élections pour remplacer Godem Poyi et Papier Piana sont renvoyées au mardi prochain. Godem Poyi a été sauvé par un arrêt de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, rendu public le vendredi en sa faveur. Mesdames et messieurs, voilà qui lance cette émission Grande Tribune du lundi 16 octobre 2023. Deux sujets retenus pour cette émission. Premièrement, y a-t-il des raisons de s'inquiéter de la bonne tenue des élections? On va aussi le rappeler, hein, le Conseil consultatif de la SADC est déjà depuis à Kinshasa. Le week-end dernier, ils sont en train de consulter à l'hôtel Rotana de Kinshasa. Aujourd'hui, la rencontre est prévue avec le candidat à la présidentielle, Délice Sanga. Le dimanche, ils ont rencontré les parties prenantes du Front commun pour le Congo. Emmanuel Ramazani Shadari en tête a rencontré donc cette délégation du Conseil consultatif qui est à Kinshasa sur invitation du gouvernement congolais. Deuxième sujet, avancée des Wazalendo, qui sont-ils et d'où vient leur armement? Voilà, on a constaté cette prouesse de cette milice d'autodéfense qui est en train donc de récupérer des territoires et des entités dans le Nord Kivu. Qui sont-ils? Qui les arme? Comment procèdent-ils pour réussir après tant de mois
Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion. Deux invités, Maître Éric Bisello. Il est politique, il est candidat aussi de l'opposition. Il est aussi porte-parole de l'ASERN, la plateforme qui soutient le candidat à la présidentielle, Dr Denis Mukwege. Bonjour, Maître Bisello. Bonjour, cher Dan, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Maître Elie Beni Kamalenga, il est président de l'ACU, ACU Parti politique, membre de l'Union sacrée de la nation, qui soutient le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bonjour et bienvenue, Maître, dans cette émission. Bonjour, cher Dan, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir lorsque nous sommes invités dans cette grande chaîne qui prône l'excellence et surtout qui est très suivie. Merci beaucoup. Et je profite de l'occasion pour saluer le promoteur de cette chaîne ainsi que tous les techniciens grâce à la magie duquel nous apparaissons devant les petits écrans, qu'il me soit permis de faire une dénonciation, si vous le permettez, par rapport à un dossier qui dérange et défait quand même la chronique à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga, où il y a un monsieur qui est en train de déranger l'église les Damans, l'église évangélique des Damans, parce qu'il a beaucoup d'argent. Il s'agit de monsieur John Mutombo, qui est inspecteur à la Banque centrale. Ce monsieur aurait acquis une partie de la concession de l'église les Damans, que jadis son grand frère avait vendu parce qu'il était ancien représentant légal de cette église. On l'a vu en train de vendre un certain nombre de biens de l'église et c'était dangereux. Mais on lui pose la question, mais pourquoi vous faites ça? Non, parce que j'ai besoin d'argent. Mais parce que vous avez besoin d'argent, l'église se décide de racheter la parcelle, la partie de la parcelle qu'il a dûment vendue. Et ça rentre dans les patrimoines de l'église. Il fait les documents bon et difforme. Mais curieusement, monsieur vend la même parcelle à son jeune frère, Jean Mutombo, qui travaille à la Banque centrale. Et en 2014, l'église décide de saisir les cours des tribunaux qui donnent raison qui lui donnent raison. Et en annulant, la justice a annulé les titres qu'il détenait par devers lui. Et les CADAS l'a également fait. Mais depuis là, c'est le trafic d'influence. Le monsieur a dû avoir le parquet de Lubumbashi et toute la justice congolaise de Lubumbashi entre ses mains. Il y a le trafic d'influence, les arrestations arbitraires. Et rien ne va avec ce monsieur. Donc, le dimanche ici, le 5 octobre, il a fait arrêter les représentants. Parce que lui, il a beaucoup d'argent. Les dimanches, il a envoyé un colonel de la 22e région militaire qui est venu menacer les pasteurs ainsi que tous les fidèles au sein de l'église. Alors vous pensez que ces choses comme ça, c'est comme ça qu'on doit bâtir une nation avec un monsieur qui travaille tout bonnement à la Banque centrale. L'argent qu'il reçoit de la Banque centrale, c'est pour faire souffrir les gens. Et je crois que j'interpelle quand même les autorités pour que cette situation soit vue et corrigée, parce que ce monsieur n'est pas au-dessus des lois pour qu'il puisse traquer et déranger les gens. Il a envoyé même des messages faisant état d'empêcher les représentants légaux qui vivent aux États-Unis d'accéder sur le territoire congolais, qu'ils soient traqués par les gens. Donc lorsqu'on utilise des hommes en uniforme à commettre des actes contraires à la loi, c'est une infraction. Donc voilà, je voulais vraiment dénoncer cette situation que je trouve injuste, parce que la Banque centrale, je crois, devrait aussi voir cette situation avec le monsieur par rapport aux actes qu'il est en train de poser. Tout à fait. Merci, Maître Elie Beni Kamalenga. Alors, Maître Bisello, est-ce que vous avez également un commentaire à faire sur l'actualité avant qu'on ne puisse lancer? Sur l'actualité, oui, vous avez parlé d'un sondage. Sondage est réalisé sur 1500 personnes. Je suis 15 100 électeurs. 15 100. À travers le 15 100. Oui, c'est 15 100, c'est 1500. C'est un échantillon. 15 100, c'est 1500. 15 100. Oui. 1 5 1 0 0. 15 100. 1 5 1 0 0. 1 0 0. 15 000. 15 000 personnes et 100. 1000, 2000, 3000. Je ne sais pas sur quel personnage, mais moi, je sais qu'à Tchangou, je ne pense pas que nous allons rencontrer ne serait-ce que 500 personnes qui vont dire voter pour Félix Tshisekedi. Oh là parce là. Que depuis qu'il est arrivé, Tchangou n'a connu aucun embellissement dans aucun secteur, ni
dans la considération de la population. C'est un sondage réalisé à travers le pays. Oui, mais on ne gouverne pas par les sondages. Et je sais très bien, ils sont partis dans la brousse faire ça à côté des facochères et des chameaux. Mais la réalité, c'est qu'il en est que les Congolais ne sont pas du tout dupes avec ces formes de propagande, parce que c'est la propagande. L'agence de communication a pris sa part, son argent, pour satisfaire celui qui a commandé. N'oublions pas que celui qui commande, c'est la présidence, ou bien en tout cas, proche de l'Union sacrée. Dans tous les cas, moi, en tout cas, de Tchangou, je ne vis aucun embellissement depuis l'avènement de Félix. Je sais comment se font les sondages. Grand œil. Je sais comment se font les sondages. C'est un organe congolais. Je sais comment se font les sondages. Étant donné que c'est celui qui paye qui demande le sondage, autant lui être favorable. Ils lui ont donné des réponses qui lui seraient satisfaisantes. Moi, je sais qu'à Tchangou, actuellement, depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, on n'a rien. On n'a pas d'embellissement dans les conditions, dans la vie sociale quotidienne. On n'en a pas de sécurité. Des quartiers comme Massina, qui est là, Ntsele, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de route. N'en parlons pas. On n'a pas de sécurité. On n'a pas de perspective d'avenir pour les jeunes de Tchangou. District aussi potentiellement intense et surpeuplé. Malheureusement, on nous avait promis l'extension de la ville de Kinshasa par des Arabes qui étaient venus des études. Et ça, c'était à l'avènement de ce pouvoir. 5 ans plus tard, on continue à nous faire des promesses. Donc, il faudrait arrêter de nous abreuver de ces genres de propagande qui n'intéressent pas du tout les Congolais. Les Congolais sont des personnes concrètes, réelles, qui sont en train de mourir quotidiennement de la faim, de l'insécurité et de la souffrance que les gens du pouvoir, parce qu'ils sont au pouvoir, ne respectent pas les droits et les devoirs des Congolais. Et c'est ça qui est plus pitoyable et lamentable. Et moi, c'était mon biscuit par rapport à ce que vous merci, avez dit. Merci beaucoup. Alors, on va prendre le premier sujet rapidement. On va prendre une vingtaine de minutes, hein, pour le deuxième sujet. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter de la bonne tenue du scrutin prévu en décembre 2023? Le conseil consultatif a déjà été à Kinshasa pour consulter toutes les parties prenantes au processus électoral. Y a-t-il des raisons? Y a-t-il des raisons encore de s'inquiéter de la bonne tenue des élections en décembre 2023. Je commence avec Maître Bicello. Je vais vous donner la parole, Maître Elie Béni. Oui, oui. Alors, évidemment que je vais réagir. Je suis tranquille. À mon biscuit. Hein? À mon biscuit. Allez-y. Non, je lui réponds à lui. Le sujet. Y a-t-il des raisons encore de s'inquiéter de la bonne tenue des élections et pourquoi? Il y a une présence, il y a une délégation de la SADC ici en Kinshasa. À la demande du pouvoir, dans ce pouvoir, nous dire pourquoi est-ce que la SADC vient réaliser des pourparlers entre les parties prenantes aux élections. Nous savons que nous, par exemple, à l'ACR, en Alliance des Congolais pour la Fondation de la Nation, nous avons rempli notre part d'obligation, nous avons versé l'argent qui était demandé pour les candidats, tant provinciaux, nationaux qu'à la présidence de la République. Ce que nous attendons, c'est des élections. N'est pas organiser des élections, c'est ne pas faire moins que ce qu'on critiquait hier auprès des Kabila. Donc dans ce cas-là, ça nous a servi de changer Kabila pour mettre quelqu'un dont le régime a fait encore pire puisqu'il a dilapidé les richesses de la République, ils se sont accaparés les mines et les propriétés privées. On a eu à assister pour la première fois à la mort, violence d'un député national dans la ville de province de Kinshasa ici, dans des conditions qui restent jusqu'à ce jour mystérieux. Nous avons des journalistes qui se font arrêter, les libertés sont menacées. Donc à quoi ça nous a servi si aujourd'hui nous n'avons pas des élections? Il ne faudrait pas accepter ce schéma habituel où ces hommes, qui, une fois arrivés au pouvoir, ils méprisent la population. On ne peut pas arriver au pouvoir par des accords, on ne peut pas y demeurer par des accords. Ou alors il appartiendra à la population congolaise qui est souverain. C'est-à-dire qu'au-dessus de la population, il n'y a rien. Qui est souverain de se prendre en charge? Parce que finalement, vos compères de l'opposition sont en train de réfléchir. Pour dire, ils sont en train de penser que le pouvoir en place du président Tshisekedi serait de mèche avec la CENI pour préparer la fraude massive à ces élections. Est-ce que vous êtes du même avis? Mais qui ne le sait pas?
La question, c'est un secret de Polichinelle. Nous le savons, puisque nous avons, vous m'avez invité dans ce plateau au fur et à mesure des évolutions de la chose. Et j'arrive à dire, aujourd'hui, je vous montre ma carte de lecteur, si vous voulez, qui est totalement effacée. Et cette carte de lecteur-là, comment je peux aller voter avec? Vous allez me dire. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la même situation que moi, avec leur carte de lecteur effacée, ils sont dans la même situation que moi, avec leur carte de lecteur effacée, aujourd'hui, vont chercher soi-disant le duplicata. Mais une fois sur place, leur nom ne se retrouve pas dans les fichiers. Vous êtes sérieux? On va aller voter comment? Mais moi, je vois votre nom. Je suis à une bonne distance, mais je vois votre nom. Je crois que ce n'est pas la mauvaise foi. Quel est mon nom qui est marqué là-dessus? Donnez-moi. Vous dites, vous voyez mon nom. Quel est mon Donnez-moi, nom? Donnez-moi, je vais présenter d'accord. Au Congolais. Je vous donne l'opportunité. Pendant que vous réfléchissez, moi, je parle. Allez-y, poursuivez. Comment voulez-vous, à partir dans des élections, alors que les animateurs qui sont actuellement... contenu dans les instances qui devraient organiser les élections, c'est-à-dire la CENI, ne sont pas du tout, ils n'ont pas été délégués par leurs partis respectifs, ni par les personnes qui devraient les donner cutus. Comment voulez-vous partir aux élections avec des cartes d'électeurs défectueux? On n'a pas de carte d'identité, on n'a même pas de permis de conduire, n'en parlons pas. Comment voulez-vous partir aux élections alors que la loi sur la répartition des sièges n'a toujours pas été publiée? Ça n'a toujours pas été publié. Il aurait fallu publier cette loi avant d'appeler l'enrôlement des candidats. Mais non, ça n'a pas été publié. Vous voulez partir aux élections, il est vrai, avec une grande partie de nos compatriotes, une grande partie des Congolais qui ne peuvent pas aller voter parce qu'on ne les a pas enrôlés, parce qu'ils ne sont pas en capacité sécuritaire d'aller remplir cette obligation citoyenne. Déjà, vous-même, l'opposition, l'impression que vous donnez, c'est que vous êtes un peu en train d'aller dans tous les sens. Premièrement, ce que vous prétendez que ces élections sont en train d'être préparées pour un candidat. Deuxièmement, vous-même, vous dites que vous n'êtes pas unis, vous êtes divisés. Il y a même un candidat qui a dit qu'il est le candidat le plus sérieux, le plus valable devant tous les candidats de l'opposition. Déjà, avec cette discordance, les voix qui sont discordantes, vous allez dans tous les sens. Vous ne pensez pas que vous amoindrissez vos chances de l'emporter? Où est-ce qu'il est marqué que l'opposition doit aller en ordre de bataille unique derrière un seul membre? Je ne comprends pas cette logique. Lors des dernières élections, il y avait une opposition ou il y avait plusieurs oppositions? Lors des dernières élections, Kabila a eu à choisir entre une opposition ou plusieurs oppositions, comme l'a dit Kabuya, pour donner le pouvoir. Entre plusieurs oppositions. Alors, vous êtes... Non. Le processus électoral est émaillé d'irrégularités, et ça depuis le départ. Comment l'opposition le dénonce. Mais depuis le départ, vous étiez au Congo quand même. Cette irrégularité, il n'y a que l'opposition qui la constate. Bah, c'est normal, puisque les irrégularités sont faites au bénéfice du pouvoir. Qu'est-ce que qui vous d'autre voulez-vous qu'il constate? C'est nous qui sommes éveillés, c'est nous qui avons intérêt à ce que tout soit fait selon la loi et que les textes soient respectés, c'est nous qui avons intérêt pour que le peuple congolais gagne. Mais pourquoi vous ne vous retirez carrément pas comme a fait le FCC? Parce que vous savez que vous allez perdre. Quel est le rapport? Non, pas du tout. Non. Je nous avions dit que même s'il prépare la tricherie, papa, il arrivera un moment, c'est la population qui prendra la main. Aujourd'hui, quand on publie la liste, les résultats devant les bureaux de vote. Vous croyez qu'il va lire ce résultat? Ce n'est pas la population qui est là en train de contester les résultats. Non. De contester les résultats avant même qu'il nous ne contestons pas les résultats, nous contestons le processus et nous disons à la population de rester vigilant parce que le vol, Balobagasso, Omoni Ndoki Bene là. Ndoki existe, nous avons vu et nous avons fait notre devoir d'alerter la population. Maintenant, c'est le peuple souverain qui dit. Pour que ce processus d'irrégularité et de vol de nos voix aille jusqu'à finalité, il faudrait que nous soyons démobilisés. Alors que nous disons, non, soyez mobilisés, alignez-vous. Mmh. C'est ça la réalité. Alors, vous n'allez pas venir nous dire le contraire. À la question de la SADC ici, ça la demande du pouvoir. Pourquoi voulez-vous faire des pourparlers si vous voulez aller vers les élections? Nous avons dit longtemps à nos amis d'opposition que si nous nous retirons, c'est nous allons lui donner crédit.
Il voudra aller de cette façon aux élections pour dire que ce n'était pas de ma faute, je n'avais pas d'adversaire, ils n'ont pas voulu s'enrôler. La preuve en est, c'est parce que nous sommes partis aux élections qu'aujourd'hui il fait appel aux gens de l'extérieur pour venir chercher des pourparlers. Mmh. On n'a pas de pourparlers. C'est un mépris à l'égard de la population congolaise. Cela démontre à quel point ces politiciens. Très bien. Ces politiciens n'ont aucun souci de ce que les Congolais vivent. Leur seule préoccupation, c'est de demeurer au pouvoir. C'est le pouvoir. Qu'importe ce que les Congolais choisissent, qu'importe ce que vous désirez, ça ne les intéresse pas. Très bien. Puisque c'est la DSAD qui va les mettre là, puisque ça va être les communautés extérieures, c'est-à-dire les étrangers, qui vont les mettre là où ils sont. C'est pour cela qu'ils ne se sentent pas obligés de se rendre, d'un devoir de redevabilité à l'égard des populations congolaises. Très bien. Et qui peuvent s'accaparer toutes les richesses de la République pour leur propre bienfait. Merci beaucoup, Maître Bisselo Eric, qui est donc voilà, candidat de l'ACERN, alias des Congolais, parti donc aux plateformes qui soutient le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, qui est également pasteur. Hein. Hier, j'ai suivi la prédication du docteur Mukwege. Hier, ben voilà, il est aussi pasteur. Alors, Maître Elie. Maître Elie Beni Kamalinga, je vous passe la parole à vous. Il est pasteur. Oh, mais depuis, comme son père. Pardon? Comme son père. Son père était pasteur. Il est pasteur pentecôtiste. Avant d'avoir de poser la question, vous avez lu la carte d'électeur. Est-ce qu'il y a. Elle est lisible. Vous pouvez me dire mon numéro, s'il vous plaît? Non, on ne parlait pas de numéro. Oh, mais ça fait partie de la carte. Merci d'abord. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter de la bonne tenue d'élection? Bon, avant de répondre à cette question-là. Excuse-moi, mais quand tu remplis l'affiche, on demande le numéro. C'est ton numéro qu'on demande. Il faut dire que. Mon numéro. Il faut dire que nous, à l'Union Sacrée, on sait dénoncer ce qui est dénonçable. Et ce qui est bien fait, nous savons l'encourager. Oui. Ça, c'est notre particularité, ce qui n'existe pas chez nos amis en face, dont le leitmotiv est de chercher à haranguer la population pour des choses invraisemblables, qui n'ont pas de sens par moment. J'ai vu sur cette carte le nom de mon cher confrère Eric Bisselo. Hein? Il est né le 20 mars. Je crois 79. C'est tout à fait faux. Si ce que j'ai vu là-bas. C'est faux. C'est faux. Mais je te donne. J'ai une autre carte, tu te demandes de naissance. Attendez. Attendez. Permettez-moi de parler. Donc, c'est pour vous dire que nous avions beaucoup parlé autour de cette carte. Hein? Ce que moi j'ai vu, c'est la carte qui m'avait remis. Non, mais c'est normal, elle est lisible, je vous comprends. Voilà. C'est pour ça que vous. C'est pour vous dire que nous avons tous dénoncé la qualité de la photo. Nous avons tous dénoncé que la carte avait des mentions qui s'effaçaient. Oui. Ce n'est pas une donne nouveau. Vous comprenez? Et la CENI a demandé à toute la population d'aller obtenir des duplicata. Et donc, si une personne ne s'évertue pas à aller chercher son duplicata, ce n'est plus le problème de la CENI. Comprenez? Le plus important, il a sa carte, il va se présenter avec. Hein? Qu'on attend de voir Maître Eric se faire refuser le droit de voter, ce serait un problème qu'on viendra dénoncer. Ça, c'est une des choses. Et ils ont bien expliqué que si la photo, ils ont choisi de faire une photo en noir blanc, c'est parce que au 1er juillet 2023, ils vont, au 15 juillet 2023, ils vont publier la toute première carte d'identité. Et ça a été fait. Et je crois que dans les tout prochains jours, ça sera fait pour toute la population. Et donc, ce sont des faux fuyants pour nos amis qui n'ont rien à se mettre sous la dent, mais qui ne cherchent que des choses farfelues pour haranguer la population. Et surtout, Maître Eric Bisselo, qui, je vois, vraiment, veut vraiment envoyer des messages à ses électeurs de Tchangou. Non, il est interdit. Non, moi je ne parle pas de. Non, je ne veux pas faire la propagande. Il est interdit. On ne va pas y entrer. Ne citez pas le nom des circonscriptions électorales. Je l'ai suivi à l'entame. C'est de la campagne. Dire que les jeunes de Tchangou sont délaissés. Bah donc, si les jeunes de Tchangou sont délaissés, ils ont un sauveur. Il s'appelle Maître Eric Bisselo. Et le sauveur s'appelle Mukwege. Pendant que lui ne fera rien, il ne fait rien pour la population de ça, vous savez pas. Et il y a une chose qui. C'est comme ça que vous voyez la population. La population ne doit pas gober des discours démagogiques et fantaisistes comme celui de Maître Eric. Mais, mon cher ami, attendez. Avant que je vienne à ta question, je suis en train de réagir à chaud à ce que j'ai entendu. Vous avez le carrelage qui est en train d'être le faïence, l'usine là. C'est plus de 600 personnes qui sont engagées. Cette jeunesse, elle est de Tchangou.
Maluku, c'est Tchangou. Alors, est-ce qu'on vient tromper toute une population comme ça? Non, on n'a rien fait, il n'y a rien comme projet qui est fait. Les routes de Sifoko qui est fait, la route de ce qu'on est en train de faire, quittant Bekatef jusqu'à arriver à Gombe, c'est en train d'être fait lors du lancement des travaux, j'étais là, ce n'est pas Tchangou. Alors, cessons de tromper la population. Ne vous faites pas les sauveurs du coin pendant que vous n'apportez même pas 0,03% de choses pour changer les donnes ou le quotidien de ces coins. Y a-t-il des raisons de s'inquiéter de la banque? Voilà, merci. Je veux maintenant répondre à cette question. Chers frères, je crois que tout travail fait par l'homme a toujours été entaché des irrégularités ou des imperfections. Mais à ce que je sache, la CENI aujourd'hui qui reste, et le gouvernement congolais, qui reste les seules institutions ou autorités habilitées à dire à la population que au 20 décembre 2023, il y aura élection ou n'aura pas élection, n'ont fait aucune déclaration tendant à amener la population à s'inquiéter. Nous n'avons rien entendu de tel. Vous comprenez? C'est cher Eric que je rencontre pour la deuxième fois. Pas sur ce plateau, mais dans un débat, il disait aux gens qu'il n'y aura pas d'enrôlement. Les élections ne se tiendront pas. Mais aujourd'hui, mon ami, attendez. Ce n'est quand même pas... Ça ne vous... Est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas raison de s'inquiéter quand même quand la CENI dit qu'elle ne sait plus afficher les listes électorales? Non, il faut retenir que cette opposition qui n'existe qu'entre guillemets, n'a jamais voulu des élections. Vous le savez bien comme moi. Et la population congolaise le sait. Vous savez toutes les raisons qu'ils ont avancées. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir cette même opposition venir dire à la population qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas enrôlement, qu'il n'a pas eu lieu. Il y a eu des pots de candidats pour les députés nationaux. Il y a eu des pots de candidats pour les députés provinciaux, les conseillers communaux. Et aujourd'hui, les chefs de l'État. Et cap prochainement pour le lancement de la campagne. Mais lorsque vous dites que cette même opposition a des raisons de craindre, ils ont parlé de consensus. Le consensus sur la loi électorale, le projet de loi électorale qui était jadis porté par... L'affichage des listes. Mais écoutez, la CENI a été claire. D'après la loi électorale, c'est un mois avant la campagne. C'est un mois avant la campagne électorale. Mais écoutez, la CENI dit qu'aujourd'hui, elle ne s'est pas affichée. Mais il y a de bonnes raisons pour lesquelles la CENI, la raison avancée par la CENI tient debout. Et elle a dit qu'elle va, elle a donné les sites où toute la population devra aller consulter pour voir que le nom est là ou il n'est pas là. Vous comprenez? Compte tenu de la situation. Parce que vous savez, le problème, c'est quoi avec nos amis de l'opposition? Ils cherchent toujours le moyen de s'accrocher pour créer un débat. Pour qu'il y ait un dialogue. Pour qu'il y ait un dialogue. C'est ça le problème. Partage du pouvoir. Parce qu'il faut dire que ce qui se passe au Congo, nous avons des gens qui ne s'appartiennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas que le Congo doit être indépendant économiquement, politiquement et sur tous les plans. Et vous avez des candidats comme celui que soutient mon ami Bisselo, qui est fabriqué totalement par l'Occident. Parce que Mukwege n'est pas un politique. J'aimerais que mon ami Bisselo me dise le contraire. Ce n'est pas un homme politique. Il y a eu de choses qui étaient planifiées par l'Occident. Vous savez, mon cher ami... C'est l'homme de l'étranger. Oui, je vous dis, c'est l'homme de l'étranger. Et lorsque on le bouge un tout petit peu, il s'est ouvert. Il semblerait qu'il a dit qu'il est ici depuis 40 ans. Justement, mon cher ami, donc comprenez que j'ai devant moi un confrère avocat, un érudit, un savant, et un intellectuel accompli. Oui. Donc, lorsque quelqu'un vous dit que, on lui dit que monsieur, vous n'êtes pas congolais, vous avez un père burundais et une mère congolaise. Ah, c'est avéré. Bon, c'est ce que l'on dit. moi, justement, on s'en tient maintenant aux déclarations. Et monsieur vient et vous dit, ça fait 40 ans que je suis là. C'est un syllogisme. Pour nous qui avons fait les humanités scientifiques, je demande à Maître Eric qu'on nous dise un peu. On dit, Mukwege n'est pas congolais. Mukwege dit non. Tout congolais travaille au Congo. J'ai fabriqué des histoires, mais ça fait 40 ans que je suis au Congo. Mukwege dit aux Congolais clairement que
ça ne fait que 40 ans qu'il est ici. Merci donc, beaucoup. Il n'est pas congolais. Et donc, c'est pour vous dire que nous avons un problème très sérieux avec nos amis qui sont en manque. Je sais que mon ami était au FCC. Je ne sais pas depuis quand il est arrivé chez... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, moi, je me suis croisé avec Eric Bicello. Il était dans l'opposition, mais il n'était pas avec Mukwege. On a débattu ensemble plusieurs fois. Mais je suis étonné aujourd'hui, il est avec Mukwege, qui naît au Congo il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on fait les calculs de ses 40 ans, il a étudié au Burundi. Pendant autant d'années. Merci beaucoup. Il était en France, en Belgique, où il a fait sa thèse pendant autant d'années. Et puis il est revenu travailler. Ça veut dire tout simplement que nous avons un problème sérieux. D'où la loi Tchani doit être votée. Un problème très sérieux. Merci beaucoup, Maître Eli Beni Kamalenga. Alors, jusque-là, la CENI n'a pas encore donné. C'est la Cour constitutionnelle qui doit déclarer les candidatures définitives. C'est encore en traitement. Voilà, on attend si tous seront là, qui ne seront pas là pour raison de nationalité. Bon, on ne sait pas si... On le saura très incessamment. Alors, Maître Bicello, vous êtes en train de vous battre pour obtenir un dialogue. Est-ce que... Quel serait l'intérêt pour vous d'avoir un dialogue? Vous avez tenu ça où? Vous avez tenu ça où? Vous êtes en train de vous battre pour un dialogue. C'est une question. Non, c'est pas une question ça. C'est une question. Non, ce n'est pas. On n'est pas en train de se battre pour un dialogue. Alors quelle est la question? Mais quand vous dites que voilà, là, cette CENI est en train de préparer la tricherie. Nous, on est prêt pour les élections. Mais je crois que malheureusement, vous avez donné le temps. Vous posez une question, mais vous le laissez partir en foison à gauche et à droite. Mon cher Eli, je dois l'aider. Parce qu'il souffre de beaucoup de lacunes. Comment et avocat soit-il, il y a des lacunes. Une lacune en français. Soyez élégant, quand même. Oui. Lacune en français. Oui, parce que... C'est-à-dire que quand Denis Mukwege s'est exprimé en français, vous ne l'avez pas compris. Donc, je dois vous aider à corriger, à comprendre le français. Si une personne dit que je suis arrivé au Congo il y a 40 ans et vous voulez nous apprendre le français, là... Vous avez, je pense, le média, donné l'occasion à la population congolaise de voir cette interview. Est-ce qu'il a dit « Je suis arrivé en République démocratique du Congo il y a 40 ans ». Il a dit « Depuis 40 ans, je suis retourné auprès de ce peuple et je travaille avec ». Félix Tshisekedi, depuis 5 ans, il est revenu au Congo. Depuis 5 ans. Il habitait au Congo avant ? De père et mère. Non, mon cher. Il a déjà dit les origines de côté de sa maman. Il a déjà dit les origines. On connaît angolaise. Ah, vous revenez sur le papa maintenant. Hein? Donc, de côté, vous reconnaissez que de côté maman, c'est l'Angola. Donc, c'est parce que c'est le fils. C'est le fils du Sphinx. Il est congolais à 100%. On attend la loi Tiani. On va prouver. On attend la loi Tiani. Allons-y au bout. Vous voyez maintenant les lacunes. Vous voulez fuir. Vous voulez parler du papa. C'est mon temps de parole ou c'est son temps ? Des lacunes, alors qu'il est en train de... Je vais vous aider. Je vais vous aider. C'est grave, ça. Je vais vous aider. Depuis 40 ans, je suis à côté de ce peuple. Mon cher ami, je ne sais pas de qui... Mais pourquoi? Est-ce que vous comprenez les Français? Je comprends particulièrement. Il est né au Congo. Et on parle en plus de lacunes. Il a fait des études. De lacunes. Il a fait des études. Je suis 40 ans. Il a... Oh là là. Oui, depuis 40 ans, il travaille. Oui, depuis 40 ans, il travaille. S'il vous plaît. Il a fait ses études à l'étranger. S'il vous plaît. Parce que Français a passé à la S'il vous plaît, Laissez-le poursuivre son temps d'antenne. S'il vous plaît. Allez-y. Le prix Nobel de la paix a fait ses études, a commencé ses études universitaires ici à Niki. Après, il est parti effectivement à Burundi. Après, il est parti effectivement. Il a fait 10 ans pour être chez Nicolas. Il faut 10 ans d'études en Belgique. Est-ce que votre champion en a fait autant? Non. On va parler de formation. Les miens est en train de prouver de quoi il est capable. L'incompétence notoire. L'incompétence. S'il vous plaît. Donnez-moi un secteur d'activité qui s'est redressé. S'il vous plaît. Donnez-moi un secteur d'activité. Donnez-moi des agrégats économiques qui se sont corrigés. Très bien. Le temps que je vous donne un devoir à faire. Laissez-moi évoluer. Dans ce cas-là, quand il a fait des études, il a fini ses études. Il revient au Congo. Depuis qu'il est revenu au Congo. Après ses études étrangères, il y a peu de gens qui sont partis prendre à l'étranger une formation aussi importante et qui ne soient pas restés à l'étranger pour un meilleur salaire, pour une meilleure sécurité. Lui, il a dit non, je dois revenir aux côtés de ma population. Je suis parti étudier pour apprendre, pour améliorer les conditions de vie de mes concitoyens. Il est revenu améliorer effectivement depuis 40 ans les conditions de vie des Congolaises et des Congolais, et ça gratuitement, depuis 40 ans. Et au-delà de ça,
il ne fait pas qu'une seule chose. Il a au moins 50 secteurs d'activité dans lesquels le prix Nobel de la paix intervient. Il ne fait pas que de la gynécologie. Il fait également du social. Il fait également, il intervient dans la psychologie. Maintenant, si vous voulez parler même de CV, ou bien même de ce que le candidat a réalisé, on doit opposer à notre champion le vôtre. Qu'est-ce qu'il a réalisé avant? C'est ça qu'on doit poser. Où est-ce qu'il était avant? Parce que nous, on affirme depuis 40 ans, le prix Nobel de la paix travaille aux côtés de la population congolaise puisqu'il a fini ses études. Alors vous, Félix Tshisekedi, il avait une adresse ici? Dites-moi, à part celui de son père. Bon, alors arrêtez de dire, d'exposer vos lacunes comme ça devant la télévision en croyant que vous avez raison. Non, ce sont des lacunes, il faut l'avouer. Il vient mettre... Il vient mettre... Je ne suis pas au candidat, s'il vous plaît. Non, attendez. Parlons des faits. Attendez, c'est des faits que je parle. Des individus. Non, non, je parle de faits. Pourquoi tu ne l'as pas corrigé quand tu parlais des individus? Pourquoi tu l'as corrigé quand tu parlais d'Éric Bissot, lui parlait des individus? Tu n'as pas corrigé? Non, c'est le corrigé. Ah non, tu n'as pas corrigé. C'est moi qui suis en train de me dire, parlons de faits, parlons. Lui, quand tu parlais d'Éric Bissol qui est en face là, tu lui as pas dit par les individus. Je veux même l'aider en allant selon ce quoi. Alors, il y a la question. Le monsieur avec ses lacunes, il croit que le district de Tchangou, c'est deux avenues, deux routes qui ont été construites. Oh. Vous n'avez aucune. C'est pas parce que vous êtes dans la mangeoire, vous êtes autour de l'assiette. Vous devrez considérer que les millions de Congolais qui vivent à Tchangou sont satisfaits de votre pouvoir. Sont satisfaits dans ce que vous faites. Alors. Mon cher ami. On a le problème de sécurité à Tchangou. Les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes n'ont pas de formation. Les jeunes n'ont pas de pouvoir d'achat. Vous venez nous raconter quoi aujourd'hui? S'il vous plaît, pour finir. Alors, expliquez-nous un peu cette information, cette nouvelle qui a fait le tour de la toile. Donnez-nous des détails. Vous êtes le porte-parole de l'ACRN. Cette histoire de notion du genre. On a même vu des pasteurs commenter sur les réseaux sociaux. Donnez-nous un peu les détails par rapport à ce qu'il a dit sous les genres. Exactement, c'était quoi sa pensée? L'ignorance des Quinois, l'ignorance, parce que je suis Quinois aussi, hein. Notre ignorance à nous de penser que la République démocratique du Congo se résume à notre standard à nous ici, à ce que nous vivons. Parce que nous avons nos soeurs, nos filles qui sont protégées, parce que nous voyons une ministre du genre qui est une femme, parce que nous voyons un DG qui est nommé qui est une femme, on pense que la République démocratique du Congo dans son entièreté, non. Alors que lui, le prix Nobel de la paix, il vit non pas en capitale, la République démocratique du Congo, il vit là où la population est la plus fragile, là où sont les premières victimes de la guerre, là où il n'y a pas la police, il n'y a pas l'armée. De ça, il connaît la condition féminine dans ces endroits. Est-ce que vous savez que dans certains villages, la femme est considérée comme un objet, ici en République démocratique du Congo, qu'on peut l'acheter ou bien la vendre à hauteur de chèvre ou bien de cochon? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que dans certains villages, la femme n'est qu'un outil de reproduction? Elle est là pour surveiller la maison, faire à manger? Est-ce que vous savez que la femme, d'où même l'inspiration, l'engagement politique de Denis Mukwege. Comment voulez-vous que vous soignez une femme? Non, vous posez une question, laissez-moi terminer. Je vais chuter. Vous soignez une femme qui est victime de viol aujourd'hui. L'année prochaine, elle revient victime de viol de nouveau. Elle tombe enceinte. Et que l'année suivante, elle revient à accoucher chez vous. Mais 10 ans plus tard, vous revoyez non seulement la femme revenir, mais avec l'enfant qui avait accouché, victime de viol. Parce que ces femmes sont considérées comme étant des objets. C'est ça la réalité. Oui, il faudrait que dans la notion du genre, nous introduisions clairement l'égalité, la parité entre la femme. Effectivement, il y a un ministère de notion de genre. Est-ce que vous voulez dire ce ministère de... Rien à voir avec. Donc vous voulez dire que le ministère du genre, c'est le ministère de l'homosexualité? Rien à voir avec. Donc vous voulez dire que le ministère en genre d'Assama Lukonde, c'est le ministère de l'homosexualité, sans doute promu par le chef de l'État, qui lui-même le gère, le ministère de l'homosexualité, qui est le ministère des genre. Merci. Donc, il faut savoir, je comprends maintenant l'affinité qu'il y avait un Mike Hummer et l'accoutrement de la première dame. Donc, d'où l'affinité de cette... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'accoutrement, non? Un peu de décence. Mais attendez, non, attendez, attendez, attendez. S'il vous plaît. Non, 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 non. Maître Bissello, non, je vous arrête. Si dans ce cas-là, il n'y a pas la liberté d'expression chez vous, il ne faut pas m'inviter dans votre travaux. La liberté d'expression, c'est l'accoutrement de la première dame. Vous dites que c'est un mot interdit. Mais arrêtez! Arrêtez! Sur le pouvoir, mangez le pouvoir, mais ne nous interdisez pas la liberté d'opinion, de penser et de dire. On a compris. Merci. Ne vous en faites pas, on a compris. Nous vous protégeons aussi. On a besoin aussi des opposants chez nous. Hein. Merci. On a besoin de vous ici sur Congo Buzz Télévision. Alors, Maître Elie Beni, la même question. Pourquoi est-ce qu'on vous accuse toujours? Il n'y a pas que les gens de Mukwege, la CRN.
C'est comment Matata. Le parti, c'est l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation. Ah, si. L'Alliance des Congolais. ACRN. RN. Oui. RN. N. N. N comme Nathalie. Oui. Okay. Comme nation, d'ailleurs. Il y a... Tous les opposants ont le même langage. Bien qu'ils sont... Ils disent tous que vous préparez la fraude. Ah. OK. Tous ont un même langage. Ils peuvent être divisés sur des petits points, mais sur la majorité des aspects, ils disent la même chose. À part eux, il y a également quelques religieux également qui disent la même chose. OK. Tous. Comment expliquer que tous vous accusent de la même chose? Oui, parce que tous... Comment expliquer ça? Parce que tous... Quel est le soubassement? Tous... Il n'y a même pas un seul qui vous accorde le bénéfice du doute. Même pas un seul. Oui, mais parce que... Comment ça s'explique? Juste, merci beaucoup d'abord. D'abord, il faut retenir que nous n'avons pas une opposition en RDC. Pour commencer. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est un de deux. Vous allez comprendre que... Ces groupes d'opposants, comme vous dites, c'est un groupe de personnes forgées par l'Occident qui ont pour mission, un, de retarder le processus, deux, d'empêcher qu'il se tienne. Vous comprenez? Toute l'opposition toute l'opposition à cette mission qui n'existe pas. Avaient, qui n'existe pas. Je vous dis en connaissance de cause. Ils ont dit dès le départ qu'on n'existe pas. On était en train de préparer la fraude. N'est-ce pas? Comment voulez-vous que quelqu'un prépare la fraude? Parce que, un, il y a des éléments majeurs sur lesquels il s'est fondé. Ils ont dit il y a manque de consensus en rapport avec le projet de loi électorale. Ce sont les éléments de base sur lesquels cette opposition s'est fondée. Il y a manque de consensus. Oui, oui. Mais alors que le consensus avait été trouvé en amont lorsque le G13 à l'époque est allé voir toutes les plateformes, tous les partis politiques, pour qu'ils puissent s'approprier les projets de loi. Et lorsque ces derniers s'en sont appropriés en apportant leurs amendements, ça veut dire que le texte original n'a plus le sens qu'il avait, parce que les autres s'en est approprié. La plénière a... J'en arrive. Oui. Et lorsque c'est fait, il reste maintenant le rôle de vote qui est dévolu aux seuls députés nationaux. N'est-ce pas? Parmi lesquels se retrouvent les différents membres de ces partis politiques qui ont été visités par... Le problème se pose au niveau où il n'a jamais été publié comme... J'en arrive. Ouais. C'est ça le problème de base. On a fait ces débats pendant plusieurs mois. Ouais. Et voire même une ou deux ans que ce débat s'est déroulé sur la toile. Et même dans les différents médias. Okay. Ils ont dit que la Cour constitutionnelle devait être revisitée. Pourquoi? Parce que on a placé, et elle a été inféodée, parce qu'on a placé Kamouleta, qui serait Moulouba comme le président de la République. Mais là où les gens ne comprennent pas les choses, c'est que en voulant que l'on puisse retoucher la Cour constitutionnelle, c'est que les gens n'ont pas besoin d'aller aux élections, ils cherchent le dialogue. Et par conséquent, les gens oublient également que la Cour constitutionnelle constituée de 9 membres, dont 3 viennent de la présidence de la République, 3 viennent du Parlement et 3 viennent du Conseil supérieur de la magistrature. Pensez-vous que tout ce monde-là ont été choisis par la présidence de la République? Cette donne est totalement fausse. Mais comment on peut dire qu'on prépare les élections? Lorsqu'on en vient à Fayoulou, il a envoyé Blaise Moniz, il dit tout, une dame au sein de la CENI. Il y a Manara et Ajay Matembo qui sont là pour le compte de l'FCC. Et la société civile a envoyé Kadima. Alors, ils vous disent que le pouvoir prépare la fraude. Mais il faut prouver qu'on prépare la fraude. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, ils sont passés sur la place publique pour dénoncer des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et il vous souviendra que ces mêmes personnes... Ils sont en train de préparer la contestation parce que, selon eux, le pouvoir prépare l'échec. Mais nous, les accusons de préparer la contestation, ça a été vu. Vous avez vu la vidéo de le communicateur de Fayoulou Seki Epengé.
Et tout ce monde est en train de préparer la fraude. Et la France et autres avec notre ami Bicello, Si eux préparent la contestation. C'est légitime. Que prépare la Constitution nous donne le droit. Que prépare la Cinco et les CC. Mais la Cinco et les CC, ce sont des membres de ces conglomérats de gens qui sont utilisés par la communauté internationale. Notre ami ici vous a parlé de Mukwege en disant que de l'autre côté, là où il est, il n'y a ni police, il n'y a ni armée. J'en viens maintenant. Maintenant, dites-moi, Mukwege est congolais. Il est gardé par les SWAT, les commandants de l'élite américain. Oui. C'est parce qu'il n'y a pas de police là-bas, il n'y a pas la police congolaise n'existe pas. L'Arménie. Pourquoi il doit se promener avec les SWAT, les commandants de l'élite américain? Qu'ils nous disent. Il nous dit que Mukwege est arrivé au Congo 40 ans et le discours a été déformé. Non, ce sont des menteurs. Il a dit qu'il a commencé. Parce que il est aux côtés de ces personnes démunies là depuis 40 ans. C'est faux, mon cher ami. Il a sacrifié sa jeunesse, a utilisé faussement l'image de la femme du Sud Kivu, qui aujourd'hui s'élève contre Mukwege. Ce n'est pas elle-même là qui lui a cherché la caution. Non. Pour lui donner. C'est-à-dire, c'est le fond de commerce de Mukwege. Comprenez, c'est le fond de commerce. Comment vous pouvez dire que toutes les femmes du Sud qui vous sont violées, ces mêmes femmes sont levées aujourd'hui, vous suivez sur la toile des déclarations de ces femmes. Faisons un peu les décomptes. Mukwege a 68 ans aujourd'hui. Lorsque Eric Bicello trompe toute une nation, ici comment voulu tromper Mukwege? Mais aujourd'hui. Attendez. Oui. Il a 68 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Oui. Il nous dit qu'il a étudié au campus, il a étudié au Burundi, il a étudié en Europe, et puis il a fait en Europe, si c'est 7 ans ou 8 ans, au Burundi, je ne sais pas, 10 ans ou truc. Maintenant, les 40 ans qu'il vous dit avoir travaillé aux côtés des Congolais pendant 40 ans viennent d'où? Parce qu'il a 68 ans aujourd'hui. Faisons des décomptes même par absurde. C'est pour vous dire que menter, il en restera quelque chose. Est-ce que vous ne pensez pas que le débat devrait plutôt être orienté sur, au lieu de revenir sur peut-être les origines des candidats, non, attention, peut-être sur leur projet de société. Attention, notre pays a été infiltré pendant beaucoup d'années. Il y a des chances que Mukwege soit étranger. Il y a des chances qu'il soit étranger. J'ai fait une émission sur ce plateau avec toi. Lunda Bululwa pleurait sur RFI. Après avoir reçu Matata Ponyo à la tête d'une délégation rwandaise, lui-même rwandais. Merci beaucoup. Et Matata devient premier ministre Congo. Il dit, mais demain, après-demain, il va chercher à être président. Mais Matata est candidat président. Mais Mukwege vous dit, je suis aux côtés des Congolais il y a 40 ans. Merci beaucoup. Donc, c'est comme Vandamme viendrait vous dire qu'il est né à Lubumbashi. Hein, et merci beaucoup. Je suis au Congo. Merci. Il y a autant d'années. Et puis, il veut faire le parallélisme avec le chef de l'État. Merci beaucoup. Avec qui il veut faire la comparaison. Mais Tshisekedi, on connaît son père. C'est que fait Tshisekedi aujourd'hui au pouvoir. Il n'a rien à prouver. Merci beaucoup. On va prendre maintenant les minutes restantes pour clore l'émission. La régie va m'aider à finir l'émission en bonté et en beauté. Voilà. OK. On va prendre la thématique sur les Wazalendo. Wazalendo, ce groupe, cette milice d'autodéfense qui est en train de récupérer du terrain dans la partie est en chassant les rebelles du M23, la coalition RDF-M23. Alors, Maître Bicello, votre lecture de cette montée en puissance de Wazalendo aujourd'hui, quelle est votre lecture de ce qui se passe là-bas? Qui les arme? Qui sont-ils vraiment, ceux-là? D'abord, permettez-moi de réinsister de nouveau la confusion, les raccordements frauduleux que l'avocat Maître Eli fait actuellement. Il parle de Matata, il parle de... Mais moi, je peux vous aider, j'ai le CV ici de Mukwege. Non, on n'a pas besoin de votre aide. Parce que vous allez nous amener les faussetés. Vous allez nous amener les faussetés. Et nous, on va gober ça. La population congolaise, je ne sais pas. S'il vous plaît, mettez-le. Je ne connais pas IDPS depuis 1990 qui ait dit une seule vérité.
Qu'est-ce qu'une fédération? Est-ce qu'il y a l'UDPS ici sur cette table? Vous êtes de l'UDPS, vous êtes un pur produit de l'UDPS. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes un pur produit de l'UDPS. Vous êtes un pur produit de l'UDPS. Parlons peu, mais parlons bien. Si aujourd'hui tu en manques de discours ou de paroles, moi je ne suis pas en manque. C'est que le Kadiocha, qui t'aide, le Kadiocha, le contre-vérité, vous êtes un produit cependant, même si vous êtes parti d'un parti politique, vous êtes un produit. Je l'admets. Je l'admets. Vous êtes parti de ce parti et de l'UDPS, le monsieur Burundais que vous soutenez aujourd'hui, peut-être qu'il était aussi fanatique de l'UDPS. Maître Béni. Mais oui. Maître Béni, s'il vous plaît. Non, il faut qu'on l'aide. Laissez-le. On va aider Maître Eric à se calmer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, c'est pour eux. Pas pour eux. C'est les gens qui vont dans la confusion. Vous êtes dans la confusion. Le temps passe. Permanente. La confusion est chez vous. Oui, non, chez nous. Maître Béni. Posez des questions, vous ne voulez pas attendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il parle de Kadim, de représentants soi-disant de SID dans la CENI. Oh! Mais il faudrait, quand même, vous avez un soubassement, non? Il y a un soubassement. Lorsque le parti délègue quelqu'un auprès d'une institution, il y a un soubassement. On vous a demandé de donner ces soubassements. C'est à celui de Kadima. Oh, c'est vous qui êtes en train de torguer ici. Vous dites que non, Martin, il faut lui faire la confusion, il a envoyé des gens. Mais prouvez-le! Puisque depuis le début, que ce soit Martin Fahil, que ce soit la FCC, ils ont régné ces personnes, ils ont dit que vous les avez débauchés. Prouvez le contraire! La confusion, vous êtes dans la confusion et votre mensonge vous rattrape. Nous voulons des élections, vous avez demandé qu'on s'enrôle, on a payé, allons les élections, vous faites venir la SADC et vous dites que c'est l'opposition qui voulait le dialogue. Mais vous n'avez pas honte? C'est la confusion totale qui règne dans vos têtes. Et c'est vrai que quand vous n'arrivez pas à définir les trajectoires d'une personne, ses capacités, ses compétences, vous êtes en train de lui fabriquer des antécédents. Des choses qui ne tiennent pas la route. Mais les Congolais n'ont pas besoin de ça. Vous, ce qui vous attend, c'est votre bilan. Et votre bilan est pathétique. Vous n'avez même pas de bilan. Je pense que normalement, si vous sortez de pouvoir, contrairement à ce que vous disiez, on va faire table rase. Nous, on va faire pas table rase. On va arrêter tous les voleurs que vous avez amenés et qui sont en train de sortir. Les Congolais vous donnent cette confiance. Ils vont donner, parce que vous, ils vous ont pas donné. Il est fait. Ils ont donné à Martin Fayoulou. Ils vous ont pas donné. Vous, c'est Kabila qui vous a donné la confiance. C'est Kabila qui vous a donné la confiance. Vraiment. Et c'est sorti de la bouche de votre propre secrétaire général. Éric Kabila, c'est devenu. Papa, c'est la réalité. Ce sont des faits. Des faits n'occupent pas des camps politiques. Les faits sont incrustés dans la conscience collective. Ce sont des faits, que vous le vouliez ou non. Non, c'est vous qui êtes un pur produit du mensonge. L'UDPS nous a bassinés. Mobutu n'est pas Congo, n'est pas Zaïrois. Fayoulou n'est pas Congolais. Aujourd'hui, c'est... Mais lui, il a aidé toute la population. 40 ans aux côtés des Congolais. Toi, tu veux qu'on n'importe quoi. Il ne faut pas dire que les Congolais... Parce que si lui-même nous dit la vérité. Si vous avez des lacunes, il ne faut pas attribuer ces lacunes au peuple population congolaise. Mais tu aimes bien ce mot, lacune. Oui, parce que c'est un mot qui vous sied bien. La parole. À chaque fois que vous parlez, vous montrez vos lacunes. C'est un mot qui vous sied bien. Je reviens à une chose. Les Ouazalendo qu'ils ont tués récemment, là, eux, là, dans leur confusion de genre, dans leur confusion d'interprétation, dans leur confusion de comprendre les choses, ils ont assassiné Ouazalendo. Les Ouazalendo existent depuis une trentaine d'années. Voilà un régime qui non seulement n'a pas honte de ses échecs, mais qui démontre à quel point ils sous-traitent la sécurité nationale. Ouazalendo, comme les Maïmaï, ce sont des compatriotes qui ont dénoncé l'arrivée de EAC ici en République démocratique du Congo. Ils ont dénoncé l'arrivée des Rwandais. Eux, c'est eux qui ont fait rentrer les Rwandais. C'est eux qui ont fait rentrer les Burundais qui ont assassiné les gens qui Kisangani. C'est eux qui ont fait rentrer les Ougandais. Les Ouazalendo se sont toujours levés contre. Lors de la manifestation où ils ont assassiné les Ouazalendo, les Ouazalendo comptaient également manifester pour chasser les Tutsis. Eux, là, c'est eux. Aujourd'hui, ils donnent des armes aux Ouazalendo, ils disent aller combattre à notre place. Mais ils disent avoir formé une armée professionnelle. Qu'est-ce que vous attendez de cette armée-là? Cette armée ne doit pas aller défendre l'intégrité territoriale. Que fait cette armée? On voit un général de l'armée dire nous envoie ici pour dire on observe, on n'attaque pas. C'est eux qui dirigent l'armée. C'est le chef de l'État qui est le premier, non seulement des magistrats, mais le commandement, celui qui commande l'armée nationale. Oui, c'est ça, oui. Qui arme ces jeux? D'où viendrait leur armement? Papa, il faut être naïf pour dire que l'armement ne vient pas de FARDC. Il faut être naïf parce qu'au départ, je viens bien dire qu'il y a une récupération de l'arme, des armements, lorsqu'ils avancent. Mais ce sont des groupes patriotes où on accepte, où les Congolais sont fiers de ce qu'ils font. La question ne se pose pas. Nous, on se pose la question, pourquoi est-ce que ce sont des Congolais
qui ne sont pas dans la force armée de la République démocratique du Congo, qui doivent conquérir l'espace territorial. Et il va se créer un autre problème après. Parce qu'eux, ils ne sont pas dans l'anticipation. Problème de réinsertion. C'est problème de réinsertion qui a eu lieu, qui a fait qu'aujourd'hui, les groupes paramilitaires sont revenus dans leur bastion. Ce monsieur qui ne connaît pas l'Est, qui ne sait pas que il y a une stratégie spécifique par rapport à l'Est, aujourd'hui, ils ne savent pas où ils vont aller, faire. Ils nous invitent à la SADC pour dire « Donnez-nous encore 2 ans ». Nous, les Congolais, on ne va pas vous donner 2 ans. Il faut régler ça entre vous, politiciens, mais les Congolais ne vont pas vous donner 2 ans. Merci beaucoup, Maître Eric Bisselo. Alors, on va finir avec Maître Libéni Kamalinga. Alors, votre point de vue à ce sujet, Léo Azalendo. Merci, cher Dan. D'abord, merci pour l'invitation. Les Congolais, je sais qu'ils adorent cette émission. J'ai beau entendre le mot Lakine dans la bouche de Maître Eric Bisselo plus de 10 fois, je crois. Mais je constate qu'il a beaucoup de Lakine lui-même, que autant qu'il en parle, qu'il nous dise un peu, depuis qu'il est aux côtés de Mukwege, ou depuis qu'il suit Mukwege devenu un homme politique en 2023, combien de fois a-t-il condamné le Rwanda, l'Ouganda? Le premier. C'est le premier à avoir condamné l'Ouganda. C'est le premier. Qui puis vole chez nous en RDC. C'est lui qui défend le rapport Mapping avant même que votre autorité morale n'en parle. On n'a jamais entendu parler. C'est parce que vous avez ignorance. Simplement, vous avez fait preuve d'ignorance. Lorsque le rapport Mapping est défendu aux Nations Unies, ils n'étaient pas là. Eux, ils s'intéressaient seulement au pouvoir. Monsieur, vous avez la parole, vous n'avez rien dit. Il va poser une question. Donnez-nous le temps de vous parler. Non, je réponds à vos mensonges. Ah, maintenant, tu comprends qu'il fallait. Le rapport Mapping, c'est quoi? Vous avez beaucoup de lacunes. Alors, il vous dit que qu'on lui donne la preuve des envoyés de Mozito. Mais, mon cher ami, demandant Mozito, qui était le bras droit de Fayoulou, pourquoi ils se sont séparés? L'une des premières raisons pour lesquelles ils se sont séparés, c'est que lorsque Mozito s'aperçoit qu'il a déjà envoyé les gens, sans qu'il les sache, c'est ce qui les a séparés. Si vous faites la politique sans comprendre les grandes choses... Soubassement. Sans pour comprendre les grandes choses, Eric, on est en état de droit, soubassement. Deuxième chose. Deuxième chose. Il parle de tuerie de Ouazalendo. Oui. Il dit que vous lui posez la question de savoir, mais qui arme les Ouazalendo? Je vais vous dire qui sont les Ouazalendo. Eric Bisselo vous dit que le gouvernement congolais a tué les Ouazalendo. Qui arme les Ouazalendo? C'est les FRDC qui arment les Ouazalendo. Dans votre confusion, ouais. Donc, vous comprenez... Voilà. Il emploie des termes mais... que lui ne comprend pas. Un tribunal vient de condamner... Justement, n'embrouille pas. On n'a pas condamné, monsieur. Un tribunal ne vous a pas condamné. Congolais, parce que vous n'êtes pas à la hauteur. La garde républicaine n'a pas été condamnée par un tribunal congolais. Eric, vous n'êtes pas à la hauteur. Oh, attention. Un tribunal congolais n'a pas condamné la garde républicaine. Je vous pose la question. Vous avez dit ceci. Moi, je suis dans la réalité. Vous n'êtes pas dans la réalité. Pas dans la confusion. Non, non. Vous n'êtes pas la réalité. Mais c'est la garde républicaine qui a assassiné. Vous connaissez l'adage qui dit « Dites-moi avec qui tu es ». Reconnu. Vous connaissez l'adage qui dit « Dites-moi avec qui tu es, je te dirai qui tu es ». Et c'est justement ça, ce que tu es en train de faire. Non, pas du tout. C'est justement ce que tu es en train de faire. Vous faites une piètre figure. Ça n'existe pas, cet adage. Cet adage n'existe pas. Dites-moi qui tu es, je dirai qui tu es, ça n'existe pas. Mais regarde. Oui, mais cet adage n'existe pas. Tu me déranges là. Mais non, tu déranges. Pas qu'est-ce que tu veux que je te dise. Tu déranges. Non, pas si vous pouvez. Eric, l'adage n'existe pas. Tu n'as pas été à la hauteur. Tu déranges pour que je ne puisse pas intervenir. Je comprends ta stratégie. Non, réponds. Tu as fait une bonne représentation des choses. Je reste. Arrêtez ça. Mais c'est dégradant. Allez-y, maître. Il a dit que les Ouazalendo sont armés par les FARDC. Mais entre-temps, les FRDC ont tué les Ouazalendo. Donc, si les FRDC tuent les Ouazalendo, c'est qu'il n'y a pas l'entente entre les Ouazalendo et les FRDC. Donc, vous comprenez qu'il y a une confusion. Eric ne comprend pas ce qu'il dit. Les Ouazalendo sont des patriotes maï-maï et résistants qui ont pris la décision de défendre l'intégrité territoriale de leur pays et défendre leur terre. Tout le monde sur les Ouazalendo disent. Ils disent que s'ils ont pris les armes, c'est parce qu'ils ont écouté l'appel du chef de l'État qui a appelé la jeunesse à s'élever pour défendre leur intégrité territoriale.
et les vidéos sont virales. Notre ami des Burundais qui rit, hein, il sait très bien que vous dites il sait de quoi je parle. Et de deux, la RDC, il dit que la RDC a fait entrer les Rwandais et les Burundais. Mais j'en ris, mon cher ami. Si tu ne connais pas l'histoire du Congo, ne te mets pas sur la scène politique pour venir faire les débats que tu ne comprends ni la portée ni la teneur. Parce qu'il faut dire que c'est depuis 1994 que la RDC est dans les viseurs de, est dans les complots internationaux visant à voler, tuer, piller et prendre nos ressources par la communauté internationale. Kagame qui l'a ramené. Et les gens qui sont utilisés par Omar ce genre-là. Qui a ramené Paul Kagame. S'il vous plaît. Et ces gens qui sont utilisés, les Rwandais, les Burundais, sont utilisés par la France et les États-Unis. Les accords militaires que Félix vient de signer avec le Burundi. Tu n'as pas dit ça. Mais il vient de signer les accords militaires. Mais tu ne connais pas alors ce que tu parles. Tu ne comprends rien de ce que tu dis, Eric. Tu ne comprends rien. Il a invité Paul Kagame sur ta vie. Là, tu ne comprends pas. Ce sont des accords bilatérales entre les deux États. Alors laissez les Occidentaux tranquilles. Mais tu vas voir, lorsqu'il a constaté qu'il n'était pas sincère, lorsque le chef d'État constatait que le Rwanda n'était pas sincère, il a annulé tous les accords avec le Rwanda. Est-ce que vous comprenez? Il revient en arrière. Mais voilà. Voilà. Mais on parle de... Prochainement, il ne faut pas m'amener Eric Bissel parce qu'il n'est pas à la hauteur. Vous comprenez? Moi, il je n'est pas à la hauteur. Je suis trop au fait. Ce n'est pas la première fois que je le rencontre. La il pertinence n'y est pas. La hauteur n'y est pas. Ça, c'est parce que vous voyez quelqu'un qui décide de déranger l'émission. Ouais, que tu parles des grandes choses et des bonnes choses. Kagame est arrivé ici, tu dis que c'est pas vous qui l'avez ramené. L'accord avec le Burundi, vous dites que c'est pas vous qui l'avez fait. Et tu dis qu'il a dénoncé les accords. Quelle confusion. Je suis désolé. Quelle confusion. Je suis désolé de m'amener. Il l'a fait. Je reprends. Il m'a amené Eric qui n'est pas à la hauteur de la tâche. C'est la confusion. Venir au parlement. Faut pas amener quelqu'un qui a une logique et qui soit cohérent avec la réalité. Je prends la parole. 30 secondes. Concluez. 30 secondes. Non, je disais qu'il faut retenir que notre pays et dans un complot international qui est connu par tous. Charles Onana en a écrit, en a dénoncé, et on ne veut pas voir un natif congolais gérer le pays pour que les Congolais s'appartiennent autant que les Africains s'appartiennent. Et on est en train de nous fabriquer des étrangers, à l'instar de Mukwege, qui viennent ici pour justement permettre aux Occidentaux, de demeurer chez nous, de prendre tout ce qu'ils veulent, et ne veulent pas que le pays se développe. Et pour ce faire, il y a des Congolais sous-traitants comme Eric Bissello, dont la mission est de venir faire l'apologie. Il a fait le tour du monde, voir les Occidentaux, ils reviennent là, ils vont faire la morale. Parce que vous savez, la politique étrangère, l'argent de la République est en train de dilapider, vous trouvez ça normal. Les autres pays. N'importe quoi. Et ils nous suivent quand ils veulent. Vous vendez les minéraux de la République, on doit vous suivre. Ils comprennent qu'on a besoin des ignorants comme lui. Vous avez vendu les richesses de la République, on doit vous suivre. Les incompétents, notables, les incapables, les incompétents. Parce qu'il est ignorant et il est bien consommé au Rwanda, en Ouganda, en France et aux États-Unis. C'est du confusionnisme. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir. Continuez de manger. On va vous chasser en bonne et due forme. Merci beaucoup. On veut des élections. Pas de distraction. Je reprends la parole. En tout cas, messieurs, s'il vous plaît, soyez beaucoup plus tolérants. Hein. C'est dans la tolérance que nous allons construire ce pays. Hein. Soyez tolérants. Les divergences d'opinion ne puissent pas être la division. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était chaud, mais le débat a eu lieu. Vous avez suivi vous-même. On va donc se retrouver demain avec le même plaisir. Toujours ici chez vous, Congo Buzz reste votre maison d'information par excellence. Allez, on se retrouve demain.